Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer à travailler cette aubépine. Aujourd'hui on en est à la quatrième vidéo sur cet arbre. Effectivement, il y a beaucoup de vidéos parce qu'il y a beaucoup d'interventions sur cet arbre. On peut intervenir sur cet arbre 2-3 fois par an. J'ai pas toujours tout filmé, mais pour faire un résumé, donc c'est un arbre qui a été prélevé. La première intervention, c'était en octobre 2017. J'avais fait une première sélection des branches et une ligature pour donner du mouvement. On avait le tronc de base avec ce beau mouvement et cette belle écorce, et puis plein de petites tiges comme ça qui émanaient du tronc. Je les ai sélectionnées pour les futures branches et je les ai ligaturées pour donner du mouvement, pour qu'elles puissent grossir avec un certain mouvement. Ensuite, en juillet 2018, après toute la période de croissance, on commence à voir les branches qui commencent à grossir, surtout à la base. Et puis, la ligature permet vraiment d'imprimer du mouvement aux branches. Ensuite, il y a eu la première taille de structure en février 2019. Vous pouvez voir des images ici. D'ailleurs, la ligature avait marqué, mais c'est une bonne chose parce que déjà, le mouvement a bien été imprimé, ça n'a pas bougé. Et de toute manière, aujourd'hui, ces marques, on ne les voit plus parce que ça a tellement grossi, tellement poussé, que les cicatrices se sont résorbées. En décembre 2019, je vous ai montré une seconde taille de structure. Donc là, c'est pareil, on est revenu sur les structures primaires des branches, donc le système secondaire, et on a commencé à sélectionner un peu les ramifications. L'année d'après, en janvier 2020, j'ai fait la troisième taille de structure. Donc là encore, je suis revenu, j'ai refait des sélections. Vraiment, en taille de structure, c'est vraiment de revenir en arrière sur des choses assez élémentaires, quelques centimètres de branches, pour garder uniquement ce qui est utile pour la structure des branches. En 2020, c'était aussi l'année du rempotage, donc je l'ai rempoté dans ce gros bac de culture. Donc ça a été fait en mars 2020, quand les bourgeons commençaient à sortir des branches. Ensuite, en mai 2020, j'ai fait une taille en verre, donc je suis vraiment revenu en arrière sur des tiges qui sont en verre, elles ne sont pas encore lignifiées. Donc là, c'est le moment de revenir en arrière. En général, on laisse pousser et puis on revient sur 2-3 feuilles en fonction de ce qu'on veut faire. Et comme c'est une espèce qui fait des feuilles alternées, ça permet aussi de choisir la future direction de pousse de la branche. Donc on crée du mouvement simplement à la taille. D'ailleurs, dans cette taille en verre, j'avais principalement rabattu en haut et j'avais laissé des longueurs en bas parce que le diamètre de branche était insuffisant en bas. Et ensuite, la dernière intervention que j'ai montrée en vidéo, c'était en fin d'automne, quand les feuilles commençaient à tomber, je les ai toutes enlevées et j'ai fait une taille globale et j'ai ligaturé le système tertiaire de l'arbre. Donc les ramifications des branches qu'on voit toujours, le fil est toujours resté ici. C'est ça l'intérêt de ligaturer aussi en automne, c'est que on peut les laisser assez longtemps et on voit que pour l'instant ça marque toujours pas. Vous allez voir, ça a tigé principalement là où j'ai pas ligaturé. Donc ensuite cet arbre il a hiverné dans la serre froide pour le protéger du gel et je l'ai sorti de la serre quand les feuilles ont commencé à bien se développer et que les températures étaient à peu près maintenues. Aujourd'hui, l'aubépine nous montre encore sa générosité. On a encore des grandes tiges. J'avoue que j'ai été un peu dépassé parce que je l'ai vu démarrer en fait au début du printemps. Et puis en même pas un mois, elle a fait des tiges comme ça. J'ai pas vu venir. J'avais beaucoup de choses à faire, personnellement, professionnellement, etc. Et ben, à un moment, on se voit dépassé. On se dit mince, j'ai loupé le coche. Parce que moi, j'aurais bien aimé tailler vite avant qu'il y ait ces tiges-là. C'est-à-dire que d'attendre qu'il y ait maximum 6-8 feuilles et ensuite tailler. Là, on en est plutôt à une vingtaine de feuilles. Donc j'ai pris du retard, mais c'est pas grave, on va le faire aujourd'hui. Pourquoi je veux agir tôt? C'est pour justement éviter que ça tige trop longtemps. Déjà pour éviter que je fasse des grosses coupes et aussi que ça grossisse trop. Là, je veux vraiment développer maintenant des branches assez fines, ramifiées, et je veux pas développer des tubes. Donc là, il va falloir revenir fortement en arrière et laisser maximum 2 feuilles en fonction de la direction que je veux pour la suite. Donc là, aujourd'hui, ça va vraiment être ce travail. C'est une taille en verre, c'est-à-dire que je vais tailler des choses qui ont été créées au printemps et qui ne sont pas encore lignifiées. Donc c'est vraiment très, 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 très souple et ça peut être aussi le moment de les ligaturer parce que c'est très souple. Donc voilà l'objectif de l'atelier, c'est de raccourcir toutes les tiges, de les sélectionner parce qu'il y en a qu'on va carrément supprimer et il y en a qu'on va juste réduire parce qu'on va les garder pour la structure. Donc évidemment pour les outils ça va pas être très compliqué, ça va être une pince oblique concave ou une pince oblique hein, tout simplement et une paire de ciseaux. Alors avant de se rapprocher, je vais commencer par réduire toutes les tiges parce que évidemment je vais pas garder toutes les longueurs. Je vais réduire approximativement au moins pour réduire les masses et ensuite on se rapprochera parce que c'est impossible de filmer de près avec toutes ces tiges qui passent devant la caméra. C'est parti!
Voilà, c'est terminé. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet et fais du bonsaï. Non, non, je rigole, là c'est vraiment une taille approximative. Simplement pour pas être gêné par les tiges, là au moins on a la forme globale. Il y a une autre chose que je vais pas parler, c'est que, comme d'habitude, elle s'est remise à faire des gourmands à la base, principalement sur l'espèce de racine là qui remonte. Donc ça c'est pareil, on va les retirer. Les petites mauvaises herbes, j'essaie de les enlever le plus tôt possible avant que ça se développe. Donc ça fait beaucoup de masse végétale et évidemment, ce que j'attends de ce travail, c'est que l'aubépine elle est en pleine activité, donc elle va réagir normalement fortement à cette taille. Donc maintenant on se rapproche et on va essayer d'analyser plus en détail chaque branche. C'est parti. Donc avant de travailler la première branche qui se situe ici, je vais travailler cette seconde branche parce qu'il y a de la végétation en fait qui vient masquer la première branche et c'est un peu compliqué de vous montrer après ce que je fais. Donc là, vous vous rappelez, on avait ligaturé des branches en arrière de ce moignon. Le but, c'était vraiment de repartir sur des branches que j'ai ligaturées en arrière de cette coupe. Et l'arbre, il a réagi juste derrière la coupe, ce qui est logique. Hein, ce que je vous avais dit, dès qu'on coupe, ça réagit en général 1 cm derrière. C'est ce que j'ai observé par expérience. Et bah, du coup, ces deux tiges, les deux sont mal placées. Il y en a une qui descend parfaitement en bas. Et il y en a une qui va perpendiculairement à gauche, donc là ces deux tiges, elles vont pas du tout nous servir pour la construction de la branche. Donc ça, je vais les couper. Et là derrière, on voit un peu mieux les branches que j'ai ligaturées. Alors je suis désolé, c'est très compliqué à filmer parce qu'il y a plein de feuilles. Je vais remonter légèrement la caméra. Donc là, vidéo, ce sera peut-être un peu plus facile. Vous remarquez cette branche-là que j'avais ligaturée ici, et puis ce bout de branche qui s'est développé ici. Donc là, j'ai taillé la tige à l'instant. Donc là c'est parfait, c'est vraiment ces deux petites tiges qu'on a envie de garder et puis cette base on a vraiment envie de la supprimer, mais ça je la supprimerai lors de la taille de structure. Par contre on voit deux tiges qui se sont développées parfaitement perpendiculaires à la branche vers le haut, donc ça on les supprime à ras. Voilà. Alors ensuite ce qui peut être pas mal c'est de nettoyer un peu les petits départs. Ici vous avez un petit départ qui sert à rien parce que ça repart derrière l'arbre. On commence à avoir quelque chose d'intéressant parce que la branche que j'avais laissée, que j'avais ligaturée, elle s'est développée ici et il y a une ramification ici. Par contre, je commence à voir que le fil commence à rentrer à ce niveau-là, donc je vais le retirer. Alors là, comme c'est un peu enfoncé, la meilleure méthode, c'est de dérouler le fil tout doucement avec la pince à jean. Là, si je filme de plus près, on va mieux comprendre. On voit vraiment la branche principale. La ramification, cette branche qui s'est ramifiée du coup, donc là ça nous fait deux petites branches, très sympa, pourquoi pas ligaturer, ce moignon qui a permis de faire grossir la base mais maintenant on s'en sert plus, on va pouvoir le supprimer dans la taille de structure quand les feuilles vont tomber, et puis ici vous avez une autre branche. Donc là pour cette partie, j'ai cette petite tige, on reconnaît la partie qui a été ligaturée, la branche a été coupée à ce niveau là, et l'arbre est reparti juste derrière, donc le bourgeon juste derrière la coupe. Et il a fait une petite tige comme ça, donc celle-ci, évidemment, on va pas garder toute la longueur. Et là, je vais garder que deux feuilles, donc très court. Hop. Et d'ailleurs, j'avais pas vu, sous cette branche qu'on est en train de travailler, il y a une petite tige qui s'est développée vers le bas, donc ça, c'est pareil. On supprime complètement. Voilà. Je garde juste le fil, parce que souvent, on me demande au bout de combien de temps tu enlèves le fil. C'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de pouce. Et de profondeur d'insertion du fil dans l'écorce. Là, si je vois que ça rentre pas encore dans l'écorce, je supprime pas. Sur le bout, ça rentre pas. Par contre, vraiment sur la jonction, là où il y a justement le plus de mouvement, où j'ai vraiment ramené la tige vers la branche, c'est là que je commence à voir que ça rentre. Donc là, c'est pareil, je vais enlever le fil. La branche a bien imprimé le mouvement de la ligature et elle va continuer à se développer en avant. Je vais en profiter aussi pour nettoyer des branches qui sont vraiment à la base. Je veux pas qu'il y ait de développement de feuilles trop proche de la structure, je veux que la structure elle soit visible, comme ici, là il n'y a pas de feuilles. Et là aussi je veux pas qu'il y ait de feuilles, je veux qu'on voit des branches qui se divisent au fur et à mesure. Donc ici je vais supprimer juste en retirant les feuilles à la base. Là ici il y a une petite ramification qui va vers le bas. Je suis désolé hein, si on voit pas très bien parce que c'est très difficile à filmer. Hein.
Voilà, comme ça on voit beaucoup mieux la structure, on voit vraiment qu'il y a une branche ici qui se divise ici. Je garde vraiment le nécessaire pour que la structure soit visible et que l'arbre continue à se développer sur les feuilles que je vais laisser. Parce que là du coup il va pouvoir tiger ici, 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 à l'insertion en fait des branches. Là ici c'est pareil, il y a beaucoup de feuilles, on ne voit pas la structure de la branche, elle est derrière. Donc je vais nettoyer un peu les bases des branches. Je simplifie vraiment la structure et les feuilles qui restent seront potentiellement en fait des futures tiges. Il faut que je fasse ça sur l'ensemble de l'arbre. On en a fini avec la branche de droite et je vais juste voir si je réduis encore un peu les longueurs. Ici c'est bon. Ici j'ai gardé deux feuilles. Ici il y a trois feuilles donc je garde trois possibilités de futures tiges pour créer des futurs rameaux. Et ce qui est bien aussi, c'est que comme cette tige a été ligaturée, il y a un peu de mouvement. Donc ce segment est plutôt intéressant. C'est pas une tige qui est parfaitement droite. Là, c'est pareil pour celle-ci. J'ai gardé pas mal de feuilles. Par contre, là aussi, je vais garder que trois feuilles. J'en ai une, deux, trois. Et le bout, je le supprime. Voilà, comme ça, on verra comment ça va se développer ici. Maintenant, on peut travailler sur la première branche parce que celle-ci nous gênait en fait. On voit une branche tout à la base. Donc ça, je la supprime. Pour la même raison que tout à l'heure, je veux une visibilité des structures. Et là, je rogne bien. J'aplanis bien, bien, bien la coupe. Pour avoir une belle cicatrice. Je veux pas de coupe bombée avec des moignons qui ressortent. Je veux quelque chose vraiment de plat. Ensuite, on avance dans la structure de la branche. On retrouve les deux branches qu'on avait ligaturées, celle-ci et celle-ci qui est un peu cachée par les feuilles. Avec la coupe qu'on avait faite sur la taille de structure, l'arbre a réagi en produisant deux tiges juste derrière la coupe, encore une fois, 1 cm à peu près derrière. Donc là, la question c'est de savoir est-ce que je garde ces deux tiges pour la future structure ou est-ce que je les supprime totalement pour repartir sur les deux branches que j'avais ligaturées. Quand j'ai fait la taille, mon but c'était pas de produire des ramifications aussi loin de cette branche, c'était vraiment de garder ces deux ramifications parce qu'elles sont beaucoup plus proches du tronc et c'est plus intéressant. Donc là, je vais supprimer justement ces deux tiges qui sont trop loin. Je vais rogner un peu plus la coupe parce que du coup, c'est une partie qui a séché. Et on retrouve maintenant les deux branches que j'avais ligaturées. Donc je vais juste vérifier si le fil n'a pas mordu. Mais comme ça n'a pas retigé sur ces branches-là, bah du coup le fil, ça va, il est intact. Il ne mord pas sur la branche. Et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais nettoyer les feuilles donc à la base. Par exemple ici. J'ai pas envie qu'il y ait deux tiges qui partent par là. Là je vais en garder qu'une. Hop. Et j'essaie de faire une alternance. Hein, droite, gauche. C'est un peu comme un effeuillage finalement. Voilà. Je peux même réajuster le mouvement là. Voilà. Et là, je trouve que toutes les feuilles sont plutôt bien dirigées. Donc on verra lesquelles vont prendre le relais après pour les tiges. Je fais pareil pour celle d'à côté. Avec ces deux premières branches, on voit bien la simplification de la structure primaire, la structure secondaire et les feuilles qu'on a besoin où on veut voir justement se développer des futures branches. Je vais en profiter aussi pour rogner un peu plus le gros moignon parce qu'on voit que ça. Vraiment que la partie morte, hein. J'essaye pas d'aller trop loin dans la partie vivante. Voilà, on va continuer le travail maintenant sur les autres branches. Alors là, c'est pareil, on retrouve une branche qu'on avait ligaturée à l'arrière, vraiment une branche de profondeur. Donc là, c'est pareil, je vais nettoyer un peu tous les paquets de feuilles, toutes les feuilles qui sont mal dirigées en fait, celles qui poussent directement sur la structure. Après, je suis pas obligé de faire une grosse sélection comme ça de feuilles, hein. C'est juste pour éviter qu'il y ait des chances que. Une des feuilles sont mal placées et du coup la tige forcément va être mal placée. Donc au moins en sélectionnant les feuilles et leur direction, je suis sûr qu'il n'y aura pas de tiges qui vont mal se développer ou au moins je vais les limiter.
Là, c'est intéressant parce que je vois vraiment deux paquets de feuilles qui sont en train de se développer. Donc je sais qu'ici, il y aura une tige et ici aussi. Ça me permet plus tard de les ligaturer et de former une première ramification de cette branche. Ça, on va laisser se développer. C'est pareil ici, quand il y a des petits paquets comme ça de feuilles qui se développent directement sur le tronc, je laisse développer. On ne sait jamais, ça peut être une branche intéressante. Là, on retrouve aussi une petite branche que j'avais ligaturée. Elle était très fine. J'ai voulu la garder. Alors, pour le coup, elle a débourré juste devant. Je regarde s'il y a des feuilles qui sont mal dirigées. En montant, on découvre cette branche ici. J'avais ligaturé deux ramifications, une ici, et puis on avait coupé ici. Là, ce qu'on voit, c'est que l'arbre, il a réagi directement à côté de la coupe et il a produit cette tige que j'ai taillée approximativement tout à l'heure. L'idée, c'est de savoir est-ce que je garde cette structure pour avoir une branche qui redescend un peu et qui se ramifie, ou est-ce que je la coupe et je reviens sur les structures que j'avais sélectionnées avant. Je remarque aussi qu'à côté d'une des branches que j'avais ligaturées, il y a une tige qui s'est développée et ça, c'est intéressant parce que ça fait une ramification en plus sur cette branche. Celle-là, elle peut être intéressante parce que justement, on peut bien la rediriger et ça va remplir un peu l'espace qu'occupait cette tige. Là, mon choix, ça va être de supprimer cette partie-là qui descend, de nettoyer en dessous parce qu'il y a un petit bourgeon là qui s'est développé, de rogner un peu la coupe. Voilà. Hop. Voilà. Je regarde le fil, ça marque pas. Et puis ça, éventuellement, on pourra peut-être le ligaturer. Donc là, je supprime les feuilles qui sont trop proches de la structure, trop proches des départs de structure d'ailleurs. 1, 2, 1, et puis là, je coupe. Donc là, en faisant ça, la réaction que je demande à l'arbre, c'est pas de reproduire encore une tige à côté de la coupe, mais c'est de repartir sur les tiges existantes. Donc on verra comment ça se passe. Alors ici, on a une branche très intéressante. Vous vous souvenez, c'était la plus grosse branche de gauche, qui était peut-être un peu trop grosse à mon goût, que j'ai hésité à garder. Et d'ailleurs, bah, elle s'est mise vraiment à pousser à fond de partout. Il y a des émissions de tiges tout autour de la coupe qu'on avait faite. Les petites branches que j'avais ligaturées, finalement, elles ne se sont pas forcément développées. Par contre, il y a eu des développements, juste derrière. Par exemple, là, ce petit bout que j'avais ligaturé, je me demande si l'arbre l'a pas délaissé. Non, j'ai raté hein, pour savoir si la branche était vivante, c'est bien vert. Donc ça vaut le coup de le garder. Par contre, effectivement, on a des départs derrière de partout. Je vais supprimer un peu de feuilles pour vous montrer. Parce que là, on voit rien du tout. Il y a des choix assez évidents. Celle-ci, elle repart carrément en arrière. Hop. Celle-ci, pourquoi pas la garder et la ligaturer. Par contre, on va pas en garder autant. Celle qui est juste à côté, elle repart directement vers l'arbre. Donc là, c'est pareil, on la supprime complètement. Juste à côté de celle que j'ai ligaturée, il y en a une ici qui s'est développée. Et ça vaut peut-être le coup de garder celle-ci plutôt que celle-ci. Je trouve qu'elle est plus naturellement placée. Et c'est pareil, on va pouvoir aussi la ligaturer. Donc à voir, je vais garder la partie ligaturée au-dessus, voir si ça se développe. Et puis, je vais tailler un peu plus en arrière cette tige-là. Et puis ces deux petites branches, on va les ligaturer. Par contre, celle que j'ai ligaturée ici en bas, je vais pouvoir légèrement la décaler. Comme ça, voilà, ça fera une petite ramification double. Les choses qui ont poussé juste au-dessus, là par contre, c'est sûr, je ne garde pas. Là, c'est pareil, je fais une coupe bien plate. Il y a eu deux pousses qui se sont mises en sandwich autour de cette branche. Mais du coup, celle-ci, je la garde pas. Alors là, je vais supprimer quelques feuilles pour qu'on y voit plus clair. Là, ça a plutôt bien réagi. On retrouve les deux branches que j'ai ligaturées autour de cette grosse branche. Donc celle-ci et celle-ci. Il y a une tige ici qui s'est développée juste derrière cette branche que j'ai ligaturée. Et puis, pareil ici, à côté de la branche que j'ai ligaturée, il y a eu une petite émission. Une toute petite branche que je vais pouvoir garder. Par contre, sur ces gros paquets de feuilles, je vais revenir en arrière pour favoriser une réaction.
Donc là, sur cette tige, pourquoi pas la garder? Elles pourront être ligaturées en double, toutes les deux, un peu mieux dirigées comme ça vers l'avant. Par contre, je vais peut-être pas garder toute la longueur. Je vais garder 2 à 3 feuilles. Hop. Alors ensuite, sur cette branche qui est juste à côté, c'est pareil, il n'y a pas eu énormément de réactions. Je vais simplement faire un nettoyage. Voilà. Donc je vais continuer sur la même lancée sur l'ensemble de l'arbre. Je ne vais pas filmer tous les cas de figure parce que ça va être très 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 long pour vous. Comme d'habitude, je regarde bien la structure, je garde ce que je veux, je parle de la structure primaire, je m'éloigne au fur et à mesure. Quand je vois des structures qui ne m'intéressent pas, je les supprime. Quand je vois des structures que je veux développer, je les garde et je sélectionne les feuilles pour favoriser les bonnes directions pour les futurs rameaux. Donc c'est parti, je fais ça en accéléré. Voilà, c'est bon, j'ai terminé la taille et la sélection des branches. Donc on voit que c'est un peu plus épuré. On voit quand même certaines longueurs que j'ai gardées parce que c'est des branches qui sont très fines, que j'ai envie de voir se développer. Je vais pas tout de suite les tailler pour qu'elles se ramifient. Je veux qu'elles s'allongent pour qu'elles grossissent. Par contre, je vais leur donner peut-être un peu de mouvement à la ligature. C'est d'ailleurs la prochaine étape, hein, ligaturer les choses que j'ai gardées pour éviter qu'elles partent dans des mauvaises directions, que ce soit un peu plus détaillé. Après, je peux très bien aussi gérer les mouvements simplement à la taille. J'ai déjà montré cette approche avec l'arbre de Chine dans cette série. Travailler un arbre que à la taille, c'est possible, en gardant en tête le principe que les futures branches vont se développer normalement dans la même direction que les feuilles qui restent. Donc là, si je laisse par exemple cette feuille, je sais que j'aurai potentiellement une tige qui va se développer dans cette direction. Si je veux plutôt privilégier un mouvement dans cette direction, je vais plutôt supprimer cette feuille et garder que cette feuille. Comme ça, le bourgeon à la base va se diriger plutôt par là. Et ainsi de suite. Donc on peut travailler que à la taille. Mais je trouve que la ligature permet entre guillemets de gagner du temps parce qu'on choisit tout de suite le bon mouvement et bah, on n'attend pas qu'il y ait la bonne feuille au bon endroit pour le futur mouvement. J'ai fait un effeuillage partiel entre guillemets en supprimant justement des petites feuilles qui sont au mauvais endroit, qui sont dans les mauvaises directions parce que souvent vous avez des paquets de feuilles. J'essaie d'en garder 2 ou 3 maximum à chaque insertion. Donc là c'est pour ça que c'est beaucoup plus épuré. J'ai rogné aussi, on va dire, 1 demi-centimètre en plus. Chaque coupe, je n'ai pas fait encore partout, mais dans la plupart des cas, je l'ai fait. Ici, on est vraiment sur la partie la plus moche, on va dire, de l'arbre, je trouve. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de ligaturer ces 2 petites branches pour les ramener. Et à la limite, quand on sera à la taille de structure en automne, je vais vraiment supprimer toute cette partie pour garder uniquement cette branche. Donc, je vais voir évidemment comment ça va se développer. Hein. Si celle-ci prend bien le relais et qu'elle se ramifie, on pourra supprimer toute cette partie. Évidemment, la tête, elle s'est super bien développée. Forcément, c'est apical. Donc là, on commence à vraiment bien voir cette tête. C'est vraiment très intéressant. Par contre, à ce niveau-là, vous vous rappelez, c'était vraiment la deuxième branche potentielle qui pouvait faire la tête. Celle-ci, elle s'est vraiment développée vers le haut. Donc j'ai vraiment supprimé tout ce qui était sur cette branche. Et j'ai gardé que 2 petites que je vais, pareil, ligaturer pour essayer de rabaisser les branches et pas de les faire monter comme ça. Donc il y a eu beaucoup de nettoyage, beaucoup de taille, la sélection du feuillage, et maintenant on passe à la ligature. Donc comme d'habitude, fil d'aluminium, là je crois que c'est du 1 mm et du 1,5 mm. Et je vais ligaturer ce qu'il y a à ligaturer, et on se retrouve juste après. Voilà, c'est bon, j'ai terminé la ligature.
J'en ai profité pour faire la mise en forme juste après. À chaque fois que je ligaturais deux petites branchettes, je les mettais en forme. Et après, évidemment, je me suis mis en face avant pour vraiment regarder les petits détails, les espaces à combler ou pas, les espaces à ouvrir ou pas. Après, c'est du travail un peu plus minutieux. Et puis là, c'est clairement notre avis personnel et notre esthétique propre qui fait qu'on va placer telle ou telle branche à tel endroit, avec telle courbure, etc. Je me suis plutôt bien amusé à faire ça et je trouve que le résultat est pas mal. En 3-4 ans, elle a plutôt bien évolué. Là, je suis enfin au stade où je commence à travailler sur la ramification. Et ça, je trouve que c'est un peu l'étape de finition et c'est super parce que là, on construit vraiment centimètre par centimètre chaque mouvement de branche, chaque ramification. Et au fur et à mesure, elles vont se développer. Et puis là, on va commencer à avoir une plus grande envergure et puis une ramification plus fine. Quand tu vas perdre ces feuilles, on pourra vraiment voir cette structure. Je trouve vraiment que c'est un travail passionnant parce qu'on fait vraiment presque ce qu'on veut. On construit notre propre branche de zéro. Faut pas oublier qu'avant, c'était vraiment un tronc avec des simples tiges un peu partout. Et aujourd'hui, on commence à construire, à visualiser une structure de branche avec un système primaire, un système secondaire, etc. Et après, on va bientôt passer aux ordres supérieurs de ramification. Et là, ça va commencer à être très fin. Là, il va pas falloir rater le coche pour les tailles, parce que là, on va pouvoir faire trois tailles, j'imagine, au printemps, parce que ça va tellement pousser vite qu'il va falloir toujours être dessus. Et c'est ça la difficulté que j'imagine, c'est que plus on a un arbre avancé, plus on va devoir être dessus pour travailler. On doit toujours être dessus pour faire avancer l'arbre, et surtout pas revenir en arrière et perdre du temps avec des grandes tiges qu'on maîtrise plus. Après, au niveau des ligatures, j'ai donné en fait légèrement du mouvement. Hein. C'est pas, je suis pas en train de faire des Scooby-Doo. C'est vraiment pour soit aplanir le mouvement, soit la faire un peu abaisser et la faire remonter légèrement. C'est vraiment des tout petits mouvements. Et quand la branche va grossir, le mouvement va devenir de plus en plus naturel. Donc, je suis pressé de voir la réaction dans quelques mois. Là, on est début avril. J'imagine qu'il y aura une réaction en juin. À ce moment-là, je pourrais refaire encore une taille en verre. Pourquoi pas déligaturer si ça a marqué, ça je vais surveiller constamment. Après il y aura l'été et en automne on pourra recommencer. Et puis fin d'automne, pourquoi pas revenir sur certaines structures, notamment moi je pense aux moignons qui sont restés ici, ici. Là ce gros moignon qui vraiment devient pas très esthétique avec le temps. Il y a du nettoyage qu'on va pouvoir faire en automne. Je me permets de mettre en fin de vidéo un accéléré des travaux que j'ai fait 5 semaines après la vidéo que vous êtes en train de visionner. En effet, l'aubépine a réagi très vite. J'ai dû en premier déligaturer certaines branches parce que ça commençait à marquer. Donc vous voyez, 4 semaines de ligature. Il n'y a pas de règle avec une durée définie, c'est vraiment en fonction de la réaction de l'arbre. S'il se met à pousser fort, il faut déligaturer plus tôt. Ensuite, comme dans cette vidéo, j'ai fait une sélection des tiges que je gardais et les tiges que j'ai gardées, je les ai rabattues à 2 ou 3 feuilles, en fonction de la direction que je voulais avoir. Donc ce petit travail constitue la deuxième taille de densification de cette année, et il y en aura sûrement une troisième et une quatrième. Je ne vais pas forcément faire une vidéo à chaque fois, mais j'ai trouvé intéressant d'insérer ce travail en accéléré dans cette vidéo pour que vous puissiez vraiment voir la réaction qu'un tel travail peut avoir 4 ou 5 semaines après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La série de vidéos sur l'aubépine commence à bien se remplir, on commence à voir des évolutions intéressantes, et évidemment, je vous montrerai la suite à chacun de mes travaux. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet, et faites du bonsaï!
Mais pour faire un résumé, c'est un prélèvement. C'est un prélèvement dans un. Pour qu'elle puisse grossir. Pour qu'elle puisse grossir dans ce. Pour garder uniquement ce qui est. Pour garder uniquement ce qui est. Pour garder uniquement ce qui est. Putain, comment on dit ça? Ça permet aussi de sélectionner le futur. Ça permet aussi de choisir. Aujourd'hui, l'OBPN nous montre encore son. Aujourd'hui, l'OBPN nous montre encore son. Là, on en est à largement plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc évidemment, pour les outils, ça va pas être très compliqué. Ça va être une paire de ciseaux et une pince. Ah, l'autre, elle est où? Donc ça fait quand même beaucoup de masse. Donc maintenant on se rapproche et on va. Donc maintenant on se rapproche et là on commence à avoir quelque chose de. Pour la même raison que tout à l'heure, hein, visibilité. Pour les mêmes raisons que. Comme ça a pas retiré la structure primaire, la système. On peut bien la réduire. Ils vont se développer dans la même direction que l'insertion des branches. Et maintenant, on passe maintenant. Et après, on va bientôt passer aux ordres supérieurs de ramification. Et puis, quand la branche va grossir, le mouvement va devenir. La série de vidéos sur l'OBPN commence à bien.